part, surtout quand c'est pour la bonne cause et qu'on en fait un pari formidable. Chers clients, je vous rappelle que vous n'avez plus que quelques heures pour donner vos pièces jaunes dans les urnes qui sont à votre disposition aux caisses de sortie. L'argent collecté au profit de l'association Petit Prince sera entièrement reversé aux enfants malades et handicapés de notre région. Merci. Moi, je me suis rendu compte que Match n'était pas qu'une entreprise commerciale. C'est une entreprise qui est à l'écoute des soucis humanitaires. Et quand j'ai proposé donc cette opération Challenge Jaune au profit d'enfants malades, handicapés, défavorisés, bon, c'était tout de suite une acceptation totale pour ces enfants. Et c'était la réussite dès la première année. Aujourd'hui donc, c'est la fête à Wascal. Et si le soleil n'est pas au rendez-vous, il brille pourtant bien dans les yeux des enfants qui étalent des milliers de pièces de 5, 10 et 20 centimes sur le gigantesque tapis de 500 mètres carrés. Faire passer en quelques heures ce tapis du bleu au jaune, c'est le but du challenge. Et c'est pourquoi Hugo Frey, aussi bien que Match, mettent spontanément leur notoriété au service de cette double cause. Wascal, combien de poids de pièces exactement? Alors sur 30 magasins donc pour Wascal, c'est 760 kg. 760 kg, voilà. Ok, c'est bien, merci. Chez Match, on a récupéré cette année plus d'une tonne et demie dans une quarantaine de magasins. L'année dernière, c'était moins d'une tonne. Donc, vous voyez, on est en progression. Bon, ça représentait cette année 65 ou 70 000 francs. Cet argent va pour moitié à une organisation qui s'appelle Petit Prince et qui a pour objet de réaliser les rêves d'enfants à travers des voyages, surtout d'enfants gravement malades. Et l'autre partie va à une association locale qui est choisie par la ville en question. C'est astucieux. Faire du caritatif avec ses clients, c'est une bonne chose? Oui, on pense que c'est une bonne chose. Enfin, je crois qu'on a cela en nous. Finalement, on le propose à nos clients. Hein. C'est notre initiative. Et on est toujours très frappé par l'extraordinaire réponse que l'on obtient. Naturel, Gaz de France garantit aux hommes comme aux entreprises la permanence d'une énergie qui permet de construire l'avenir. Un avenir fait d'une harmonie toujours plus juste entre l'homme et ce qui l'entoure. Gaz de France, voir autrement, voir plus loin. Comment préserver l'environnement et laisser une planète propre à nos enfants? Limiter les déchets, c'est bien. Ne plus en faire, c'est possible. Explication avec ce publi-reportage très vert. Pour limiter les emballages perdus, il existe désormais en France une taxe aussi dissuasive que contraignante qui frappe la grande distribution. En Autriche, où les écologistes sont très actifs, cette taxe est encore plus élevée que dans la plupart des autres pays européens. Pour imposer également en France et plus tard ailleurs le plastique face au carton, il était donc logique que le français Alibert s'appuie sur le savoir-faire de l'Autrichien Steiner pour créer en partenariat la société Steco Alibert Europe. La solution Steco Alibert, elle est toute simple. Elle a comme objectif de limiter les déchets d'emballage, préserver l'environnement. Nous proposons donc un système de bacs plastiques réutilisables qui sera à multi-usage et multi-produits. La solution proposée par Steco Alibert repose sur le principe de la location. Prenons un exemple. Une grande chaîne de distribution passe commande de plusieurs tonnes de poires auprès d'une coopérative agricole. Elle exige d'être livrée dans des bacs plastiques réutilisables. Le producteur de fruits prend alors contact avec le plus proche dépôt Steco Alibert, à charge pour la société de fournir les bacs, mais aussi de les récupérer après usage et de les laver avant de les relouer. Les bacs Steco Alibert sont totalement pliables et d'un montage très simple, facilitant toutes les manutentions. La solidité du plastique employé permet de les empiler sans risque d'écrasement.
Pour garantir une hygiène impeccable, indispensable à la protection des denrées transportées, ils sont soigneusement lavés dans des machines sophistiquées. Ils seront ensuite livrés à plat sur des palettes pour prendre le moins de place possible. Les avantages du système Steco-Alibert sont d'ordre économique. Gain de productivité à l'intérieur des dépôts et des points de vente au travers d'une manutention facile et rationnelle. Gain économique une fois de plus au travers de la suppression totale de la taxe sur les emballages perdus. Je ne vais pas donner la parole aux 7 invités qui sont sur ce podium. Je vais toutefois demander à Michel Deroy, à Jean-Paul Giraud et à Antoine Guichard où en sont certaines de leurs expériences. Alors, Michel Deroy, vous avez à Lincel, dans l'Or, un supermarché Attaque qui est baptisé Attaque Vert. Alors, de quoi s'agit-il et cette expérience est concluante? Elle va être généralisée à d'autres Attaques? C'est simplement un Attaque qui est un peu plus écologique que les autres, hein, c'est-à-dire qui a essayé de respecter son environnement à la fois au niveau de l'architecture extérieure, des arbres sur le parking, des pelouses, etc. Et puis à l'intérieur également, il est plus agréable qu'un supermarché classique traditionnel. Ça, c'est un point. L'autre point important, je crois, c'est que c'est dans ce magasin que nous faisons des expériences d'environnement, notamment sur le recyclage du polyéthylène, par exemple. Nous avons, pendant la première semaine d'ouverture, ou de réouverture, puisqu'il s'agissait d'un agrandissement, nous avons distribué à nos clients des sacs de sortie réutilisables. Et ces sacs ont été distribués, on demandait aux clients simplement de donner 50 centimes pour une œuvre caritative dont j'oublie le nom aujourd'hui. Ceci a eu un grand succès et les consommateurs sont je crois, tout à fait attirés vers ce type de choses. Ils jouent le jeu, oui. Ils jouent tout à fait le jeu. Un autre exemple, et c'est dans ce magasin aussi qu'on a commencé à vendre des sacs poubelles qui sont également produits par le recyclage de nos propres déchets plastiques. Et là aussi, ces sacs qui sont pourtant pas à un prix défiant toute concurrence partent plus vite que des sacs dont je tairai le nom parce qu'il s'agit d'une grande marque. Oui. Merci Michel Deroy. Jean-Paul Giraud.